Oui. Voilà. Il se tient bien. Voilà. Il y a encore une petite fille. Puisque les enfants, c'est... Viens par ici. Rien, c'est bien mieux que tout. Seul par tous les temps, au milieu des champs, je sifflote quelques notes, je colporte des anecdotes à l'envers. Savez-vous que dans le temps, on racontait aux enfants qu'ils naissaient dans les choux? Bien sûr, ce sont des contes de grand-mère, des histoires à dormir debout. Mais voyez-vous, vu ma condition d'homme de paille et de bois, on m'a justement taillé debout. Si bien que la nuit, debout je dors, et le jour, debout, je rêve. Donc, je raconte mon histoire. Du matin, j'ai dit, bonjour petit, as-tu bien entendu? Bienvenue sur la terre. Il te faut un père et une mère. As-tu une adresse? Oui, me répondit l'enfant. Papa, comme tu as de la chance, lui répondis-je. Ça sent toujours bon les crêpes et le lait chaud à la vanille dans cette maison. Tu m'inviteras. Viens, chaque fois que tu voudras, m'a-t-il répondu. Thank you.
Brièvement, quel était le projet de M. le doyen? Je vais parler sans micro, ça ira mieux. En fait, monsieur le doyen est allé, je pense, récemment à Bethléem, où il a eu l'occasion de visiter un hôpital pour enfants. Quand nous l'avons rencontré cette année pour faire ce concert, voilà, il nous a demandé si il était possible qu'il puisse intervenir pour dire quelques mots et expliquer un peu son projet, qui consiste tout simplement à offrir à ses enfants de cet hôpital de Bethléem un petit quelque chose qu'ils n'ont pas habituellement. Et ici, son projet, c'était tout simplement de récolter quelques fonds. Alors, le concert est entièrement gratuit. Quelques mots sur
cet hôpital des enfants de Bethléem et je remercie beaucoup la chorale d'avoir accepté d'élargir l'horizon jusque là-bas. C'est à 3000 km de chez nous. C'est l'endroit où Jésus est né. Et maintenant, il y a 300 000 enfants qui vivent dans cette région. Et dès 1952, donc il y a déjà très longtemps, 4 ans seulement après la décision de partage de ce pays, toujours pas pleinement appliquée d'ailleurs, un religieux a pensé qu'il fallait veiller aux enfants. Et donc cet hôpital existe depuis 1952 jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il accueille pour la consultation habituelle des enfants, comme vous avez l'habitude de le faire, et aussi pour des cas plus urgents, 30 000 enfants par an. Voilà. Donc c'est vraiment une institution importante. Lorsque vous sortirez après le concert, vous pouvez vous arrêter près de la grotte, il y a un écran, et il y a quelques photos que j'ai prises il y a un mois seulement, quand je suis passé par là. Voilà, donc cet hôpital est très grand, il vient de se renouveler dans ses bâtiments. Ce n'est pas évidemment notre don qui va le faire survivre, mais c'est notre façon de dire notre espérance, parce que Noël, c'est toutes les frontières mauvaises qui disparaissent. Noël, c'est la paix dans les cœurs. Noël, c'est des différences qui construisent et non pas qui amoindrissent ou démolissent. Voilà, donc tout à l'heure, on passera avec une lanterne que vous pouvez remplir selon votre désir. Et nous acheminerons cela intégralement par notre nonce qui est à Jérusalem. Merci.